Pour me présenter donc en deux, trois mots, je dirais que je suis un ancien chef d'entreprise qui s'est reconverti dans le conseil et l'accompagnement. On va dire pragmatisme, commerce et adaptation. Cette initiative Créacité, donc cette nouvelle action Créacité, l'objectif c'est de pouvoir donner les infos aux futurs créateurs d'entreprise, où qu'ils se trouvent, donc c'est-à-dire au sein des quartiers politiques de la ville, chose qui à présent n'était pas le cas. Donc faire de la sensibilisation, promouvoir l'esprit d'entreprendre et pouvoir les aider à construire petit à petit leur projet pour ensuite passer le relais auprès des organismes qui font de l'accompagnement technique. Concrètement, comment ça se situe? On est sur un déroulé en quatre étapes qui comprend une sensibilisation avec une présentation à un chef d'entreprise, également une phase de créativité, de détection des potentiels au niveau des porteurs, puis le développement de cette idée pour la transformer en un projet, et enfin, on va dire, apporter les différentes étapes de la création d'entreprise au porteur pour qu'il puisse les visualiser, lui expliquer finalement le pourquoi, avant qu'ensuite on puisse lui expliquer le comment faire, donc comment faire une étude de marché, comment faire un prévisionnel, mais déjà qu'il comprenne le pourquoi faire. Et puis ensuite on passe le relais, donc à ces fameux opérateurs. Pour être accompagné dans le cadre de cette action, c'est tout simple, on prend tous les publics, quel que soit leur âge, quel que soit leur statut, qu'ils soient salariés, demandeurs d'emploi, indemnisés ou pas, au RSA, travailleurs handicapés, juniors, seniors. Le seul critère, c'est d'être issu des quartiers politiques de la ville ou de souhaiter s'y implanter. Voilà, c'est le seul critère qui compte. Concrètement, il suffit de prendre contact soit par le biais, par exemple, de la MLI, si on est un jeune de moins de 26 ans, soit par le biais d'un organisme qui vous accompagne dans le cadre de votre recherche d'emploi, par le biais des assistantes sociales aussi, elles sont un point relais important, ou alors directement par téléphone ou par mail, au 06 85 05 33 54 pour mes coordonnées, ou alors après par mail, donc bge.fgil@gmail.com. S'il fallait résumer, je dirais que c'est donner la possibilité à tout public de pouvoir se projeter sur le monde de la création d'entreprise, libérer les potentiels, libérer les envies, donner cette opportunité-là pour justement permettre à chacun de pouvoir exprimer le potentiel qu'il a en lui. Donc par le biais d'entretiens individuels et d'ateliers collectifs qui seront le moyen de favoriser la dynamique et les échanges entre les gens. Ces ateliers et ces rendez-vous sont disponibles dès le moment où le premier contact a été pris avec moi, donc par le biais du mail ou du téléphone. Ensuite, en fonction des projets et du profil du porteur, on va aller déterminer si effectivement on part sur un rendez-vous individuel, si on part sur des ateliers, à quelle fréquence et comment on se rencontre. Il faut dire que cette action est basée sur du volontariat, il n'y a aucune contrainte. À partir du moment où la personne est motivée pour rentrer dans le dispositif, plus elle apportera et plus l'accompagnement sera positif.